Donc, premièrement, pour faire le clonage, il faudrait déjà avoir déjà réussi à combattre un boss. Alors, ensuite avoir battu ce boss, vous allez avoir débloqué l'engramme pour fabriquer, j'appelle ça la boule. Et dans cette boule, vous allez pouvoir fabriquer beaucoup de choses, dont la chambre de clonage tech et le générateur tech. Donc, je vais l'éteindre. C'est parce qu'il tourne pour rien là. Alors, ensuite, quand vous avez fabriqué cette magnifique chambre de clonage, puis votre générateur à côté, déjà il faudra alimenter le générateur en fragments d'éléments ou en éléments. Ça dépend si vous voulez devenir faire le riche ou faire le pauvre. Et ensuite aussi mettre des fragments d'éléments et des éléments. Non, des fragments d'éléments. Pardon. Des fragments d'éléments en. Des fragments d'éléments pour les dinos que vous voulez cloner. Après, ça peut être différent pour. Comme un gum-gum, ça peut être 100 000. Alors que pour un gum-gum. Un gum-gum X, ça peut être un 100, 150 000, ça peut être un peu plus alors qu'ils ont le même level. C'est parce que tous les dinos qui finissent par X, pour vous dire, ils demandent plus de fragments d'éléments que le que ceux qui sont en non X. Voilà. Donc, pour vous montrer la différence entre clone et pas clone. Voici le clone. Non. Voici le clone. Même moi, je me perds. Voici le clone. Et voici la vraie Hyper King. Alors, ça se voit qu'il n'y a pas de grande différence, à part que quand vous allez, si vous voulez, j'arrive pas à parler moi, quand vous allez cloner votre Reaper King, la Reaper King va bien se cloner, comme toutes les couleurs, tout ça. Sauf que pour les levels, ne vous inquiétez pas s'ils sont plus bas. Car en fait, eh ben, les levels que vous avez passés sur la première Reaper que vous avez eue, que vous avez clonée, ne vont pas être mis directement. Ça veut dire que si vous aviez une Reaper 280 et qu'elle était là, elle est maintenant 300, votre Reaper sera à level 280, mais avec ses levels à passer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour à part ça, oui, je voulais aussi dire que il y a des dinos particuliers qui demandent un peu plus d'éléments, c'est-à-dire que si vous clonez un Sinomacrops qui est dans mon dos, ça, si vous clonez ça, c'est un peu réaliste que ce sera entre le Utyranus level 430 et le Sinomacrops level 450. C'est pas obligé que ce soit le Utyranus qui soit directement en haut, parce que ça c'est aussi le level qui compte. C'est-à-dire que si le level est vraiment très très haut pour le Sinomacrops et pour l'Uti très très bas, ça peut même être la même ça peut être le même nombre de fragments d'éléments. Oula, j'ai un problème moi. Ah bon bah yes, mes Karchai ressortent du plafond. Bon, je vais les dégager après. Et ensuite, comme vous l'avez vu à la photo et aussi au titre, je vais vous expliquer comment cloner un phénix. Car un phénix, quand vous le mettez sur la table de clonage, excusez-moi 10 secondes, et Maurice, qu'est-ce que tu fous? Dégage! Alors, si je prends par exemple, je sais pas moi, pique-nique de toi je te prends. Alors, si je prends exemple mon magnifique phénix qui est celui-là. Oui, j'ai beaucoup de phénix. Oui. Je vais faire peut-être une petite collection. Ça m'aussi.
Alors, hop là. Donc déjà, bien sûr, quand vous aurez tout ça et que vous aurez votre phénix, vous pouvez le ramener. Bon, moi je peux pas le ramener parce que j'ai pas mis de poids dans le j'ai pas mis de poids dans le poids. Donc je l'ai remis en Pokéball, mais ça va faire la même. Si vous allez mettre le seul truc qui sera détecté sera le Mégalosaurus que j'ai mis ici et qui est en train de dormir et qui va pas se réveiller. Alors que le phénix, il n'est pas du tout détecté. Alors, pour le faire détecter, il va falloir un mégalosaurus. Alors, les mégalosaurus, ça peut se trouver dans les grottes de Forger, ou Roop. Et ça dort la nuit, donc il faudra le réveiller parce que sinon, il va pas vous être d'une grande utilité. Vous allez le réveiller. Bon, il va être un peu fatigué, c'est normal, c'est le jour, il n'arrive pas à se réveiller. Vous allez appuyer sur. Alors, si vous êtes sur Xbox, appuyez sur LT. Et ensuite, vous appuyez sur LT pour le reposer. Et si vous êtes comme moi, sur PC, vous devez appuyer sur clic droit. Comme ça, pour attraper le phénix. Vous essayez bien de le mettre vraiment en plein milieu du machin. Tac. Et voilà. Normalement, voilà. Bon, il est un peu décalé, mais ce sera pas grave. Ça va le compter quand même. Donc, tac, je sors mon mégalosaure. Mon mégalo. Non, désolé. Mon mégalosaurus. Je me trompe de prénom maintenant. Fais dodo. C'est pas grave. Voilà, je l'ai posé avec le mégalosaurus. Et maintenant, si on regarde dans Clone. Le phénix est maintenant bien compté sur la chambre de clonage tech. Et maintenant, ça me demande 100 050 fragments d'éléments pour cloner ce magnifique phénix. Donc je vais pas le cloner maintenant parce que j'en ai déjà beaucoup. Ça va pas me servir à grand-chose de le cloner. Mais ensuite. Ensuite, dès que vous aurez cloné votre magnifique phénix ou Sinomacrops ou ce que vous voulez, cela va mettre un timer qui va vous dire quand votre clone sera fini. Alors, ça dépend, ça peut être 30 minutes comme 1 heure, ça peut être vraiment un temps indéterminé. Alors, dès que vous auriez, imaginons, cloné votre magnifique mégalocéros, réveille-toi, oui, arrête de faire la grasse mat. Si. Dès que vous l'aurez cloné, ça va vous marquer que votre mégalosaurus est en train d'être cloné et ça vous dira un temps. Vous aurez plus qu'à sortir votre mégalosaurus. Le mettre à côté ou le ranger, c'est comme vous voulez. Et dès que votre mégalosaurus sera cloné, ces levels ne seront pas passés comme je l'ai dit précédemment. Donc il faudra les passer comme vous voulez. Ou si vous voulez ne pas les passer, un conseil, mettez-les en Pokéball ou videz votre inventaire. Voilà, j'ai essayé d'expliquer le mieux possible pour vous aider dans ce tuto. Si vous voulez bien vous abonner ou liker, c'est comme vous voulez. Moi, ça me fait un petit bonus et ça me soutient énormément. Et je vous dis à plus pour un prochain tuto que je ferai plus tard. Et ce sera pour comment trouver des mégalosaurus sur Forger. Je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.